De Dieu. Tu as des promesses, tu marches avec des promesses. Tu as un Dieu puissant. Et bien aimé, persévère et tu vaincras. J'ai dit que tu seras guéri de ta maladie. Parce que Jésus-Christ, on l'appelle Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie. Moi, je l'appelle le spécialiste de tout cas. Tout cas, cancer, Ebola, tout, Dieu est capable de guérir. Capable de guérir toute maladie. Tu as des tumeurs partout. Dieu est capable de te guérir. Tu es en train de souffrir parce que les médecins ont fait diagnostic, ils ont trouvé les tumeurs, ils ont trouvé telle maladie, ils ont trouvé telle maladie. On doit opérer le cerveau, on doit opérer l'utérus, on doit opérer une maladie incurable. Le médecin lui-même n'a pas d'espoir. Tu as 20% de guérison, 30%, 40% de guérison. Mais il y a quelqu'un qui t'accorde 100% de guérison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pousse ta foi et fixe tes regards vers ce Jésus-là. Ne regarde pas par terre, sur la terre. La terre va t'attirer. Regarde sur la grandeur de ce Dieu-là. C'est comme ça que le roi David, le grand roi, a marché toute sa vie. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Toi aussi, lève tes yeux. Tu as des problèmes. Ton problème est très petit. Montre à ton petit problème la grandeur de Dieu des montagnes. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel. Bien-aimé, David qui a combattu avec les lions, il a terrassé les lions, il a terrassé les autres. Tu crois qu'aujourd'hui, tu ne peux pas le faire? David était un homme comme toi. Élie a arrêté le soleil, a arrêté la pluie. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Et le jour qu'il a donné l'ordre pour que la pluie tombe, Dieu a agi. Élie aussi était un homme de même nature que nous. Aujourd'hui, Élie n'est plus. C'est la foi. La foi, c'est espérer des choses qui n'existent pas. Quelque chose qui n'existe pas, on te condamne. Que tu mourras. Tu n'iras pas de l'avant. Tu ne vivras pas. Ta maladie va te conduire à la mort. Oh, bien-aimé, ça c'est le médecin qui te dit. Mais toi, vis-à-vis de Dieu, tu n'as jamais appris l'histoire du roi Ézéchias. Un roi qui était malade. Il avait la lèpre. Il avait la maladie du cœur. Il avait l'estomac. Si on peut citer aujourd'hui la maladie que tu as. Ce roi-là était malade. Dieu envoie le prophète, pas n'importe quel prophète, c'est le prophète Isaïe. Il envoie Isaïe devant la porte du roi. Isaïe va trouver le roi. Ô roi, l'Éternel Dieu m'envoie chez toi pour te dire que tu mourras de cette maladie. Prépare ta maison. Prépare la succession du royaume. Tu mourras. Ainsi dit l'Éternel au travers de son prophète Esaïe. Les rois, j'aime beaucoup l'attitude de ces rois bien-aimés. Inspire-toi des bonnes choses que les gens ont fait dans la Bible. Et si tu t'inspires de ces gens-là, tu auras la foi. Tu vas créer une foi à toi, propre à toi. Et tu vas déplacer les montagnes, les murailles qui sont érigées devant toi. Donc il n'y a pas de percée à gauche, droite, barricadée. Tu ne peux pas t'en sortir. Je t'ai dit qu'il y a une ouverture si tu as la foi. Le roi n'a pas répondu au prophète. Qu'est-ce qu'il va répondre au prophète? C'est un messager de l'Éternel. Il va tourner ses regards vers le Dieu très haut qui a envoyé les prophètes. Quand le prophète est sorti, lui, il est rentré dans sa chambre. Il a tourné ses regards vers Dieu. Il commence à prier. Il a dit à Dieu, j'ai marché avec droiture
je suis resté intègre devant toi. Bien-aimé, il ira rappeler à Dieu les bonnes choses qu'il a faites. Et je te rappelle, quelles sont ces bonnes choses qu'il a faites? Si vous lisez les Écritures en chronique, vous allez voir ce que le roi Ézéchias a fait. Le roi Ézéchias est devenu roi à 25 ans. Quand il a fait, il est devenu roi à 25 ans. La muraille était détruite, les temples étaient détruits, il n'avait plus les services. Dès qu'il est arrivé, il a refait la porte. Il a remis les sacrificateurs, les lévites au travail. Un jeune homme de 25 ans, il a commencé d'abord à restaurer l'autel du Seigneur. Il n'a pas pensé à sa luxure, non. Il a commencé à restaurer l'autel, à refaire les portes, à refaire les murailles. Et son nom est inscrit dans les livres des souvenirs. Fais du bien, pratique du bien, tu hériteras les terres. David l'avait dit, j'étais jeune, l'ancêtre Ézéchias. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il prospère toujours. Il possède toujours le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias a rappelé. Dieu a vu dans les livres des souvenirs. Comment à 25 ans, quand il est devenu roi, comment il a rétabli l'autel du Seigneur. Comment il a remis les sacrificateurs au travail. Comment les lévites ont repris le travail. Les son successeurs avaient tout abandonné. Il a établi, il a bâti les autels des Baals. Mais quand Ézéchias est arrivé, il a renversé tous les autels des Baals. Il a repris l'autel du Seigneur. Il a fait rentrer les sacrificateurs au service et les lévites. Il a rappelé au Seigneur, Seigneur, pense-toi, j'ai marché avec intégrité devant toi. J'ai marché avec fidélité devant toi. Souviens-toi de moi. Le prophète n'était même pas arrivé dans sa maison. Il était encore dans la cour du roi. Quand Dieu va parler, parce que l'homme a touché au cœur, les livres de souvenirs s'est ouvert. Pratique du bien, bien-aimé. Toi, tu ne fais que plaire. Tu ne fais qu'injurer. Les problèmes ne te quittent pas. Tout le temps, tu as des problèmes. Qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu le jour de ton malheur? Tu vas rappeler quoi à Dieu? Tu vas dire quoi à Dieu? Le jour de ton malheur, tu diras quoi à Dieu? Tu vas rappeler quoi à Dieu? Bien-aimé, les bons souvenirs, aider les orphelins, aider les veuves, soutien, fais la libéralité. Un jour, Dieu se souviendra de toi. Le roi a rappelé à Dieu ses bons souvenirs. Les prophètes n'étaient même pas à la cour partie. Il était encore à la cour du roi. Quand Dieu dit au prophète, rentre chez le roi Ézéchiel, j'y ajoute 15 années à sa vie à cause des bons souvenirs. Allez auprès de Dieu. Pourquoi tu es allé consulter n'importe où des maisons, entrer des maisons? Aujourd'hui, les hommes de Dieu abandonnent la vraie parole du Seigneur pour aller auprès d'autres dieux à cause de l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. Restez dans l'évangile pur. N'allez pas n'importe où, bien-aimé, pour chercher le succès de ce monde. C'est Dieu qui avait promis aux enfants d'Israël, je vous ferai habiter les pays où coulent les laits et les miel, les pays de succès, les pays d'abondance, les pays de richesse, les pays de grandeur, et tu verras s'accroître ton or, ton argent, tes biens, c'est auprès de ce Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de parcourir le monde à cause du nom de Jésus, pas à cause de nous, à cause de son nom, il donne gloire. Il a dit en psaume 91, verset 14, puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai. Si tu aimes Dieu, Dieu va te protéger. Dieu va te délivrer. Il continue. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je lui ferai voir mon salut. Je les protégerai, je les délivrerai et je les ferai rassasier des longs jours. Quelle protection nous avons auprès de notre Seigneur. Si nous aimons ce Dieu, si nous connaissons le nom de ce Dieu. David avait donné un très bon conseil à son fils. 1 Chroniques chapitre 28, 9. Il dit à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père
Serre-la avec une âme bien disposée, un corps, un cœur bien disposé. Et si tu les cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par vous. Est-ce que toi, tu connais le Dieu que tu sers? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers, l'homme des miracles? Moi, j'appelle Jésus l'homme des miracles. Parce que chaque jour, le souffle que nous avons en nous, qu'est-ce que nous payons en contrepartie de ce souffle gratuit, bien-aimé? Rien. Tous les jours, les magnats, les hommes riches meurent. Tous les jours, ce n'est pas l'argent qui fera l'homme. C'est Dieu qui fait l'homme. Le souffle est entre les mains du Seigneur. Ne cherche plus la mort. Je vais mourir, je vais me suicider, je vais me faire ceci. Non, 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 non. Réjouissez-vous du Seigneur, dans le Seigneur. Réjouissez-vous du temps que Dieu te donne sur cette terre des hommes. Fais son travail. Sers-le avec un cœur disposé, un cœur dévoué. Cherche l'Éternel. Si tu le connais, si tu connais son nom, il va donner gloire dans ta vie. Il va te glorifier, il va te bénir. Ne t'accroupis pas toujours dans la souffrance, dans la misère. Même si tu es condamné, pendant que je suis en train de parler, il y a des malades qui me suivent. Il y a des hommes qui ont des problèmes. Il y a des hommes qui ont des difficultés. Il y a des hommes qui ont tant de problèmes. Ils se posent des questions, des femmes. Comment nous allons nous sortir de ces problèmes? Comment? La solution, c'est mettre fin à ma vie, non? Mettre fin, la vie est très sacrée. Ta vie est très sacrée. Ne touche pas à ta vie. L'enfer t'attend. Ne touche pas à ta vie. Remets la vie à celui qui l'a créée. Remets-toi entièrement auprès du Seigneur. Tu auras la véritable victoire que tu as besoin. Le véritable succès que tu as besoin. C'est auprès de Jésus-Christ. Nous allons lire l'histoire d'un garçon qui était aussi malheureux. C'est dans 1 Chronique, chapitre 4. Ces garçons aussi étaient malheureux, comme toi, comme moi. Dans la vie, il y a des périodes où les gens souffrent, les gens sont malheureux, malheureux, malheureux. Lui aussi, il était vraiment malheureux, il pleurait. Mais il est allé auprès de qui? Il est allé auprès du Seigneur, notre Dieu. C'est Jaébet. Je parle du Jaébet. Bien-aimé, cette année 2014, au début de l'année, dans mes émissions, j'ai parlé à tout le monde qui me suivait que l'année 2014, c'est une année spéciale pour ceux qui ont la foi, une année spéciale où Dieu va visiter les gens, où Dieu va donner des solutions à nos problèmes. Écris seulement une lettre à Dieu, Seigneur, il me reste 2 mois et demi, le mois de novembre. Et les paix des jours d'octobre, les mois de décembre, donc disons 2 mois. Les 2 mois qui me restent, écris une lettre à Dieu. Dis Seigneur, voilà ma demande pour les 2 mois qui restent. Fais-moi ceci, fais-moi ceci, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Et nous vous invitons, bien-aimés, nous sommes dans une grande convention qui va se passer au mois de novembre. Et le thème que nous allons parler, c'est Dieu étant mes limites. Étant mes limites, élargis un peu mes limites. Je suis trop coincé. Étant mes limites, nous avons tiré ça du texte de 1 Chronique chapitre 4 à partir du verset 9 et le verset clé, c'est le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Jaébet, au verset 9, était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, notre thème c'est là, étendre mes limites. Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malin, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point, point, point. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, c'est quelle prière. Quelle prière extraordinaire. La Bible dit au verset 9 que Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le nom de Jaébet signifie douleur.
Ton nom signifie quoi? Dont la vie de Jaébet était affectée par la souffrance, par la douleur. Un homme de douleur, habitué à la souffrance, habitué à la souffrance, à la misère. Toi qui me suis, soyez prêts, nous allons décoller. C'est la foi qui va nous faire décoller de la terre vers la grandeur, vers Jésus-Christ. Nous allons faire aussi cet exercice spirituel comme Jaébet. C'est un exercice vraiment spirituel. Et je t'en prie, tu vas aimer. Aller vers Dieu seulement. Tourner les regards vers Dieu seulement. Placer ta foi à Dieu. Ne regarde pas à ce qui est à gauche, à droite. Vois seulement Dieu qui est devant toi. C'est fini, c'est Dieu spirituel. On ne le voit pas physiquement. Mais par la foi, nous pouvons toucher à ce Dieu. Par la foi, nous pouvons voir ce Dieu. Sa mère lui a donné le nom de douleur parce qu'il a enfanté avec souffrance et douleur. Mais un jour comme aujourd'hui, moi je crois qu'il y a une personne qui est devant moi en train de prendre la décision. Tu es malade, on t'a condamné, on t'a dit je ne sais pas quoi par les médecins. Mais il y a une décision qui est en train de se prendre à ce moment. C'est la décision de dire non, je ne suis plus malade. Moi, je suis guéri au nom de Jésus. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me donne la victoire. Mon Dieu est monté à la croix. Il a accepté la mort de la souffrance parce que, à cause de moi, pour que je sois guéri, je sois libéré, je sois libéré, je sois en bonne santé, que je me marie. Dieu t'a créé pour les mariages. Dieu te dit seulement amen. Il t'a créé pour les mariages. Il t'a créé pour la grandeur. Il t'a créé pour l'élévation. Il t'a créé pour la victoire. Tu n'as pas été créé pour la souffrance. Dis seulement amen. Je n'étais pas créé pour la souffrance. Moi, j'étais créé. Je suis une femme. Je dois avoir un bon mari. Je dois avoir des enfants. Je dois me réjouir à côté de mes enfants. Je dois bien dormir. Je dois bien me réveiller. J'ai la loi de Dieu à moi. Je récite la loi de Dieu. Je connais la loi de Dieu. J'en parle à mes voisins, j'en parle, je transmets cette loi à mes enfants, à mes amis. J'ai fait avec Jésus, vedette de tous les jours, succès toujours en Jésus-Christ. Bien-aimés, si on parle aujourd'hui, on s'élève aujourd'hui, on communique la foi à d'autres personnes, c'est à cause de ces dieux-là. Le jour que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, j'étais sauvé, tout a été changé à moi. J'ai une nouvelle vision de voir les choses, que l'échec a été cloué. Que la misère a été clouée. Je l'ai fait clouer parce que mon Dieu l'a cloué à la croix. Il a dépouillé l'ennemi. Il a dépouillé Satan. Il a dépouillé tout pour me donner la vie. Et à la croix, Jésus avait dit, tout est accompli. En toi, il y a quelque chose. Moi, j'ai de l'assurance que pendant que je suis en train de parler, il y a ceux qui sont guéris. Tu es guéri, toi. Crois seulement que je suis guéri. Quoi, beaucoup de gens m'appellent, mamie, j'ai suivi l'émission. Et vraiment, j'ai suivi l'émission. J'étais dans la joie et Dieu m'a touché. Quand je commence à suivre l'émission, j'étais malade, je ne me sentais pas bien. Mais tout au long de l'émission, la proclamation de la foi, la profession de la foi, la confession de la foi, m'a fait transporter dans d'autres cieux, c'est vers Dieu seulement. Et là, j'ai obtenu la guérison. Tu vas donner des enfants à ton mari. 4 ans de stérilité, c'est rien. 10 ans, c'est rien. Jésus-Christ est avec toi. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Invoquez les dieux d'Israël. Invoquez les dieux d'alliance. Les dieux qui ne font exception de personne. Moi qui te parle là, je suis déjà au 3e âge. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. J'en ai beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai encore le temps de parler de Jésus. Parce que c'est Jésus qui m'a tout donné. Tout ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Prends la décision de quitter Moab. Venez vers Jésus. Quitte l'occultisme. Venez vers Jésus. Trop de sacrifices dans l'occultisme. Tu n'as pas de paix. Il y a trop de tourments dans ce monde, des désordres sataniques, le monde des mensonges. Le diable ment tous les jours. Il est à côté de nous pour nous mentir. N'écoutez plus la voix du diable, écoutez la voix du Seigneur. Les garçons ici, Jaébet, je l'aime beaucoup. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur.
L'enfant qui ne vit que des douleurs, son nom l'affecte. Le nom a une influence sur nos vies. Son nom l'affecte. Mais un jour, le garçon a pris conscience de sa vie. Ce qui te manque, c'est ça. Prends conscience aujourd'hui que tu as été créé. Tu as été créé selon un plan. Et ce n'est pas n'importe quel plan. Jérémie 29, 11. Les plans que j'ai formés sur vous. Plan de paix et non de malheur, pour vous assurer de l'espérance et de l'avenir. Vous me prierez, vous partirez. Vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je vous exauce. Vous priez, vous allez. Moi, je vous exauce. Jébet a pris conscience de sa vie, comme Anne aussi avait pris conscience un jour. Elle descendait à Silo, elle allait, elle revenait, son mari l'aimait, elle avait double portion. Mais le pamphlet aussi de son ami là, Pénina, a fait de Ruth une femme. Tout le temps, elle a mis la vie, elle n'a pas des enfants, une femme qui souffre, une femme. Au travers de ses pamphlets, au travers de ses paroles, cette femme a pris conscience de sa vie. Elle a dit, Seigneur, aujourd'hui, pendant que les autres vont se divertir, boire, danser, je ne bois pas, je ne danse pas, je vais fixer mes regards avec Dieu, je vais me décider à ramener la victoire. Bien, mais si tu prends conscience de ton problème, tu décides, tu prends la décision. Dieu a besoin de cette décision. Dieu, aujourd'hui, j'abandonne les mal, j'abandonne les mal. Je me décide, je vais voir mon Seigneur. Je vais aujourd'hui toucher les cœurs du Seigneur. Il est là. Il est là. Il t'attend seulement, notre Dieu, notre Seigneur. Voilà, Jébet. Un jour, Jébet a fait le bilan de sa vie. Il a vu comment sa vie marche. Depuis qu'il est né, il a fait ses bilans. Il a fait son bilan. Il a vu que le bilan était négatif. Maintenant, il faut tourner le regard vers le Créateur du ciel et de la terre. Il a pris conscience. Pourquoi on parle du Dieu d'Israël? Jébet, un jour, il pensait à lui-même. Moi, Jébet, je suis juif. La première des choses, c'est ça. Il était juif. Or, tous les juifs sont en alliance avec Dieu. Je suis juif. Je suis israélite. Comment, moi qui suis juif, qui suis israélite, peux-je souffrir, continuer à souffrir, à rester dans la souffrance? Bien-aimé, toi qui suis chrétien, toi qui as Jésus dans ta vie, si réellement tu as Jésus, comment tu peux continuer? Tu vas à l'église, tu donnes ta dîme, tu donnes les offrandes, tu sers Dieu et tu continues toujours dans la souffrance? Non. Prends un peu conscience, revois tes voies. Revois un peu tes chemins. Recule un peu pour bien avancer. J'ai bête à penser. Je suis israélite, juif. Je suis de la tribu de Juda, la tribu de la royauté. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis de la tribu de Juda. Je suis juif. Mon peuple est en alliance avec Dieu. Pourquoi dois-je souffrir? Ça, ce sont des questions qui sont passées dans la tête de Jébet. Je vais tourner les regards vers Dieu. Jébet invoqua le Dieu de ses pères, le Dieu d'Israël. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant, bien aimé, quand il est rentré en lui-même, il a connu là où il est sorti. Nos origines sont très importantes, bien-aimés. Moi, j'ai parlé ici des origines. Chacun de nous a ses origines. Tu es sorti de telle et telle tribu. Quelle est ta tribu? Ézéchiel 16, nous avons lu dans l'émission passée. Depuis que je suis né,
Mon cordon ombilical n'a pas été coupé. Je ne suis pas lavé. Je ne suis pas frotté avec du sel. Je ne suis pas malotté. Les jours de ma naissance, on m'avait jeté. Donc la coutume, ta coutume pèse sur toi. Les noms qu'on t'a donnés pèsent sur toi. Les principautés de ta lignée pèsent sur toi. Les mâles de ta famille pèsent sur toi. Il n'y a rien de bon dans ta famille. Bien-aimé, mais rentre dans la famille d'Israël, dans l'alliance abrahamique de Galates 3, 13 à 16. Par Jésus-Christ, nous avons toutes les bénédictions d'Abraham à nous. Nous portons les bénédictions d'Abraham. Dans nos lignées, dans nos coutumes, les femmes ne se marient pas. C'est l'histoire que nous avons à l'église. Maman, tu sais, dans notre famille, l'aîné, si l'aîné est fille, dans toutes les familles de notre tribu, elles ne se marient pas, elles n'ont pas d'enfants jusqu'à leur mort. Ça, c'est la coutume de ta famille. Chez nous, il faut avoir des enfants avant les mariages. Si tu rentres en mariage, on paye la dot, tu n'as plus d'enfant. Chez nous, la coutume africaine, c'est la sorcellerie. Il n'y a rien de bon. Chaque tribu pleure. Vous allez dans ces coins ici, les gens pleurent. Vous allez en Cameroun, les gens pleurent. Vous allez en Côte d'Ivoire, les gens pleurent. On n'a que des sacrifices, tuer, sacrifier les poules, couper les têtes des poules, verser les sang, aller bâtir les hôtels, prendre des placentas de nouveau-nés, aller bâtir les hôtels près des eaux, dédier les enfants aux sirènes des eaux, dédier les enfants aux esprits des eaux, dédier les enfants dès la naissance. Ce sont des pratiques abominables. Et c'est ça que les parents font chaque jour. Dédier les enfants aux autels, dédier les enfants aux divinités, dédier les enfants, des sacrifices dans des familles, des sacrifices, faire laver les enfants, mettre des ficelles aux hanches partout, soi-disant la protection. Ça, ce sont nos familles, ce sont nos origines polluées, des racines très mauvaises. Partout, les gens pleurent à cause de la coutume. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce que le Dieu d'Israël nous a amené la meilleure coutume. C'est ça le salut. Si nous détachons de nos origines mauvaises, nous attachons à Jésus, nous avons le salut. Ce garçon, sa mère lui a donné le nom de douleur, souffrance, misère. Toi, ton nom qu'on t'a donné. Jacob aussi avait un nom, usurpateur. Mais Dieu lui a donné le nom d'Israël. Si on parle d'Israël aujourd'hui, c'est un homme. Ce sont ses 12 fils qui ont commencé l'histoire d'Israël. Israël entier, c'est la famille d'un homme et les 12 fils. Abraham lui-même, avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, il était aussi un homme de souffrance. Sa femme Saraï, femme des problèmes. Et Dieu dit un jour, Abraham, je dois rentrer en alliance avec toi, ton nom. Tu ne te nommeras plus Abraham. Ton nom, c'est Abraham, le père de la multitude. Ta femme ne sera plus nommée Saraï. Son nom, c'est Sarah, simple I là qu'on a enlevé, a changé même la signification. A changé même la vie de la personne. A changé, bien aimé, même un iota là que tu ajoutes là, peut donner un autre sens à ton nom. Garde le nom qui t'est propre, qui est bien. Mais Dieu a fait alliance avec tous ces gens. Il a changé le nom. Aujourd'hui, quand on parle à une personne, ton nom là ne dit rien. Hein. C'est un nom même dans la loi. Il faut que le nom ait un sens, soit puisé dans les patrimoines du pays. Un homme qui a, il ne faut pas avoir un nom injurié. Certaines personnes ont des noms injuriés. Donc, le sens de ces noms-là, ce sont des injures. Alors, spirituellement parlant, si Dieu lui-même a commencé l'histoire avec les patriarches en donnant un nom nouveau, et toi aujourd'hui, moi je t'ai dit, Dieu va te donner un nom nouveau. J'ai bête, douleur, souffrance,
Il a dit, mais non, je dois rentrer au-dedans de moi-même. J'ai un grand Dieu devant moi, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mon père David, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu d'alliance, le Dieu d'Israël. Il a invoqué le Dieu d'Israël, bien-aimé. Il invoqua le Dieu d'Israël, le Dieu de ses pères David, le Dieu qu'il connaît. Il a invoqué ce Dieu. Et il connaît ce Dieu. Il sait comment ce Dieu agit. Mais comment moi je souffre? Comment je suis dans la misère? Je prends conscience. Je vais parler à ce Dieu. Sa prière n'était pas encore terminée. Il a commencé. Si tu me bénis, si papa, si tu me bénis, et que tu étends mes limites, tu élargis mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, c'est malheur, tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il était encore en pleine prière, mais la prière très décisive, la prière très, très complexe a touché le cœur de Dieu. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. J'ai dit à une personne, ta prière d'aujourd'hui sera accordée par Dieu. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Il est Dieu. Il t'a créé pour un plan parfait. Il a réclamé la main du Seigneur. La main, c'est cette main-là. Il voulait quoi sur lui? Il voulait des faveurs. Il voulait la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Il voulait seulement que Dieu se manifeste puissamment dans sa vie. Il voulait la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Il voulait la manifestation de la volonté de Dieu dans sa vie. Il voulait que les plans corrects de Dieu pour sa vie s'accomplissent. C'est ça. Ce que j'ai bête à réclamer auprès de Dieu, béni, j'ai besoin de la bénédiction, que tu élargis ma tente, mes limites, que ta main soit sur moi, préserve-moi du mal pour que je ne sois pas toujours dans la souffrance, dans la misère. Dieu a écouté, cette prière avait un sens, ne te plains pas, ne plais pas trop, pose clair ton problème à Dieu. C'est Dieu le délivreur, c'est Dieu qui va te délivrer. Quand tu vas chercher la délivrance auprès du Seigneur, tu vas chercher un secours, c'est le roi de gloire, c'est le prince de paix, c'est l'unique, le créateur de l'univers, c'est lui qui est alpha et l'oméga, c'est lui le principe de la création de Dieu, c'est lui le soleil et le vent, c'est lui le soleil de la justice, c'est lui le juste et juge, c'est lui l'avocat pour Dieu. Quand tu vas plaider ta cause, sois bien posé, bien précis. Voilà comment les gars étaient bien précis. Oh Dieu, il n'a pas demandé à sa mère, pourquoi tu m'as envoûté par ton nom? Toi, c'est quel nom-là que tu m'as donné? Sorcière, non. Il n'a pas attaqué les gens. Il est allé tout droit tourner les regards vers celui qui a créé sa mère, qui a créé Israël, qui a donné des promesses à Israël. Comme tout juif qui se respecte, quand vous parlez de juif, vous parlez de la loi. On inculque toujours la loi aux enfants. Tout juif connaît la loi par cœur, connaît la loi de Dieu par cœur. Bien aimé, si tu ne connais pas la loi, comment tu vas revendiquer tes droits? Comment tu vas faire la plaidoirie si tu ne connais pas le code, tu ne connais pas les lois? Comment tu vas revendiquer ton droit? Si j'ai bête aujourd'hui, revendique son droit. C'est parce qu'il connaît la loi. Il connaît la loi. Il connaît que ce Dieu a fait alliance avec Abraham. Il avait promis à Abraham l'éternité des biens. Il avait dit à Abraham qu'aucun de ta postérité ne sortira de cette alliance. Je me rappelle toujours, psaume 105, 8, je me rappelle toujours de mon alliance pour mille générations. L'alliance qu'il a faite avec Abraham. Il est allé avec cette alliance, il a fait les serments à qui? À Isaac. Érigé en loi à Jacob, en alliance éternelle, que les pays de Cana, les pays où coulent les liens et les miels et les, du lait, ces pays, c'est pour vous. J'ai bien connu bien cette loi.
Il connaît très bien la loi. Et toi, bien-aimé, quelle loi tu connais tous les jours? Seigneur mon Dieu, pourquoi je souffre? Seigneur mon Dieu, je vais me suicider. Je vais mourir. Pourquoi je n'ai pas de mariage? Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi dois-je souffrir? Pourquoi je suis dans la souffrance? Pourquoi aujourd'hui je t'ai dit, tu ne vas plus pleurer? Dieu essuiera les larmes de tes yeux. Il essuiera toutes les larmes de tes yeux. Il est là. Il s'est fait malédiction à la croix pour que tu sois en bonne santé, que tu sois prospère, que tu sois béni, que tu sois béni, que tu sois victorieux. Même si rien ne marche dans ta vie, tu vois que tu es bloqué dans une prison, aucune ouverture, ni porte, ni fenêtre, mais c'est Dieu sur qui tu es branché, il est au multisystème. Invoque seulement le Dieu d'Israël. Là, tu rentres directement dans l'alliance abrahamique. L'aveugle né, Bartimée, quand Jésus-Christ se passait, lui, il a crié au fils de David. Il réclamait les miracles des fils de David. Il criait, « Oh, fils de David, aie pitié de moi. » Les gens voulaient les reprendre. Mais la voix est allée tout droit au cœur du maître, au cœur du Seigneur, fils de David. Mais ici, Jébété a invoqué le Dieu de son père Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a fait alliance avec Israël. Qu'est-ce que tu as promis à Israël? Qu'est-ce que tu avais promis à Israël? Que tant qu'Israël observera les droits, les lois, les ordonnances, les préceptes, je serai avec eux. Si il détourne son cœur, son dos de la loi, je vais les faire éloigner de la bénédiction. Il connaît bien. C'est pourquoi il rentre au pied de ses dieux. Il va rappeler à ses dieux béni. Il avait besoin de la bénédiction, des faveurs de bénédiction. Il avait besoin que Dieu étende ses limites. Quand Dieu avait donné la promesse aux enfants de Noé, il a dit aux enfants de Sem, je vais élargir vos limites. Élargir. Il connaît la loi. Et il les réclame. On peut réclamer que ce qu'on connaît. Si on ne connaît pas, je prends l'exemple d'une femme qui a besoin de l'enfant. Une femme qui a besoin du mariage. Bien aimé, quand moi je lis, ça c'est parce que je n'ai pas le temps de prendre la Bible pour connaître ces versets. Si je suis dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est tout pour moi, non? Il faut une aide semblable. Cet homme-là qui ne sera pas seul a une aide semblable. Là où moi je suis, c'est qu'il y a un homme dont je suis l'aide. Je rentre dans Genèse 1 sans même consulter la Bible. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa la femme à son image. Il les bénit et il leur dit, soyez féconds. Vous voyez le mariage? Il dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre. Bien-aimé, si tu es comme Jébète aujourd'hui, rentre seulement, prends seulement ces versets. Dis, invoque le Dieu d'Israël. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? Ce n'est pas moi, c'est toi qui as dit dans ta parole. Genèse chapitre 1, verset 28. Tu bénis l'homme et la femme. Parce que la stérilité n'est pas seulement féminine, il y a aussi une stérilité masculine. Il y a des hommes aussi qui ont des problèmes, comme des femmes ont des problèmes. Mais on jette toujours sur le dos des femmes. Oh, les femmes ont tel problème. Mais les hommes aussi, ah non, allez vous faire examiner. Rappelez-vous des promesses du Seigneur. Faites comme Jébète. Et c'est ça la convention que nous allons passer à l'avenir. Bypass numéro 12, allez m'échanger. À partir du 9, nous sommes là devant la présence de Dieu 14 jours. Du 9 au 23, nous avons deux célébrations. On a les Pâques, Codé, pardon, 3 et le 20e anniversaire du ministère de la Manne Cachée. Les enfants de la Manne Cachée, partout où vous êtes, votre église maintenant totalise 20 ans. On a besoin de vos soutiens. On a besoin de votre soutien moral, votre soutien spirituel, votre soutien financier, votre soutien matériel. Et la convention commence du 9 au 23 novembre 2014. Du 9 au 23 novembre 2014. Les lundis 10 jusqu'au samedi 15, nous avons l'école de la poussière de l'évangile de 8h à 13h. La semaine qui suit, c'est du 16
au 23, nous avons la convention des bénédictions et des délivrances de 16h à 19h. Et les dimanches, c'est la clôture, la célébration du 20e année 21. Si vous venez à vacances ici au Kinshasa, ne manquez pas, nous sommes à Lemba, à l'avenir, il passe numéro 12, Lemba échangé, nous sommes là. Et la convention se passe là, une très grande convention où nous invitons nos amis de partout, les enfants de la manne cachée qui sont partout. Déjà, les délégations commencent déjà à arriver. Tel que je vous parle là, d'autres délégations de la Suisse sont déjà arrivées. Que Dieu soit loué, une grande célébration. Ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez pas là où vous êtes, participez d'une autre façon à cette convention. Dieu étend mes limites, c'est ça le thème. Nous sommes avec Jaébet, nous sommes des Juifs. Nous sommes des Juifs, nous voulons rappeler à Dieu les promesses qu'il avait fait à Abraham. Et ces promesses, c'est notre promesse. Nous marchons avec notre promesse et nous voulons l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Les jours que Jaébet a réclamé la main du Seigneur, il a réclamé l'autorité du Seigneur dans sa vie. Il a réclamé la puissance, il a réclamé la force, il a réclamé la volonté du Seigneur. Il a tout réclamé dans sa vie. Et Dieu a élargi ses tentes. Toi aussi, tu es capable de rappeler, touche les cœurs du Seigneur. Aime Dieu plus que toute autre chose. Touche les cœurs du Seigneur. Rappelle à notre Dieu. Rappelle à son souvenir que tu es fils. Que tu es fils. Et Dieu a besoin de toi. Bien-aimé, là, Jaébet, très courageux. Ruth était Moabite. Mais Jaébet était fils de la maison. Qui souffrait. Il avait des promesses. Il avait des promesses. Il dormait avec des promesses telles que toi là. Tu dors avec des promesses. Parce que la Bible, du début jusqu'à la fin de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible est pleine de promesses, plus de 33 000 promesses. Tu dors, tu te réveilles, tu marches, tu es avec ton Dieu, tu es avec tes promesses. Mais réveille la mémoire du Seigneur pour que les promesses soient accomplies dans ta vie. Dieu veut te voir dans la gloire. Il veut te voir à la place où il t'a placé dans l'éternité. C'est là où intervient la force du destin. Chacun de nous a été créé selon un plan merveilleux. Le destin ou la destinée, c'est l'ensemble des événements que Dieu avait préparés d'avance pour l'homme avant que tu sois là. Dieu avait tout planifié dans les conseils du ciel. Il avait tout planifié, il avait tout préparé pour votre bonheur. Pour que tu sois erré sur cette terre des hommes. J'ai dit la destinée, c'est le plan correct de Dieu. Un plan qui ne peut être changé ni par les sociétés, ni par les membres de la famille, ni par qui que ce soit. Ça, c'est un plan correct. Si Dieu a établi un plan pour ta vie, qui peut manipuler? Les sorciers peuvent manipuler. Ils ont un débit, ils ont une fin. Aujourd'hui, on peut t'envoyer la maladie. Tu pries Dieu, la maladie disparaît. Tu es guéri. L'échec dans l'air quand. Mais la destinée, c'est pour ton bien-être. L'ensemble des choses merveilleuses que Dieu a planifiées pour la vie de chacun. L'ensemble des événements du cours de ta vie. Préparé, bien préparé pour Dieu. Et ces choses-là doivent s'accomplir. Ta destinée doit crier. La force, il y a une force derrière les destins. Et cette force, les jours où la force, le vent va souffler dans ta vie, aucun homme, aucun décideur à mal ne peut toucher dans ta vie. C'est pourquoi je t'en prie, mon frère, ma soeur, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Aie la foi, ne perds jamais la foi. Parce que la seule chose qui peut nous mettre en contact avec Dieu, c'est la foi. Il est le consommateur de la foi. Si tu as la foi, Dieu te consomme. Et tu es toujours devant sa présence. Même si rien ne marche, même on te condamne, même si tu vas voir les médecins, ils te disent, mais tu n'as rien, tu ne peux pas donner des enfants. Tu sais la maladie que tu as. Et surtout en Europe, les médecins disent ce qu'ils pensent. Voilà. Dans peu de temps. Ne cherche pas l'euthanasie pour mettre fin à ta vie. Rentre dans ta chambre comme Ézéchias. Parle à Dieu si tu as posé des bonnes œuvres. Parle à Dieu. Ouvre un peu les livres des souvenirs, Seigneur, pour moi. C'est pourquoi je te conseille de faire des bonnes œuvres.
Tabitha a eu la résurrection à cause des bonnes œuvres. Elle est morte. Peut-être Dieu voulait éprouver les femmes de cette ville. Quand Tabitha est morte, on a fait les mettre Tabitha dans la chambre haute. Et les femmes sont allées chercher Pierre. Viens Pierre, tu vas nous faire ressusciter cette dame. La femme des bonnes œuvres. Toi, bien-aimé, trop méchant. Tu parles que tu es mal. Trop arrogant. Tu te fâches comment? Toi, tu n'as pas les lois de Dieu dans ton cœur. Descends, descends. Rentre au pied de Jésus. Il a besoin de toi. Ne te fâche pas contre Dieu. Il est le créateur. Il sort de les reins. Il sort de les cœurs. Il connaît tout. C'est pourquoi David a dit à Salomon, connais d'abord le Dieu que tu sais. C'est le Dieu d'alliance. Connais ce que ce Dieu aime. Et serre-le avec un cœur dévoué, très bien disposé. Parce qu'ils sont de les reins. Et les cœurs, peut-être pas tes lèvres seulement que tu adores Dieu, mais dans ton cœur tu as autre chose. Tu n'as pas de pardon, tu ne pardonnes même pas. Si tu es indifférent avec ton ami, tu as un problème avec ton ami, ton problème peut te prendre des années, des années. Moi j'ai parlé une nuit avec une sœur qui était bloquée pendant 20 ans parce qu'il avait un problème avec son ami. Il n'a pas pardonné pendant 18 ans. Ah, bien aimé, c'est quel cœur. Mais la sœur allait à l'église. Mais il s'est dit à elle-même, je ne pardonnerai jamais à cet homme qui m'a fait ça. Mais le jour qu'il a accordé le pardon, le jour qu'il a accordé le pardon, ton problème peut-être c'est le pardon, bien-aimé. Tu as bloqué les gens dans ton cœur. Tu as emprisonné les gens dans ton cœur. Donc, tu n'aimes pas voir cette personne devant toi. Même si tu vas dans ton église, telle personne va modérer, telle personne va parler aux autres. Pourquoi suis-je arrivé à l'église? Il fallait rester chez moi. Bien-aimé, quel Dieu vous priez? Ce Dieu-là nous pardonne tous les jours. Si on a des problèmes, on va auprès de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. J'ai commis un péché. Pardonne-moi. Il nous pardonne même 10 fois par jour. Même 70 fois, Jésus-Christ nous pardonne. Mais toi, pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi ne pas pardonner celui qui t'a fait du mal? Ton cœur, c'est le problème des pardons. Dès que tu pardonnes, tu seras libéré des chaînes de l'ennemi. Tu seras totalement libéré de cette maladie-là. Le non-pardon peut t'amener jusqu'au cimetière. Les esprits des cimetières habitent maintenant en toi. Les oppresseurs viennent chaque nuit t'attaquer parce qu'ils trouvent une porte d'ouverture. La porte d'ouverture, c'est ton cœur. Le non-pardon, le rancœur qui est en toi, je t'en prie au nom de Jésus. Si nous sommes là, c'est pour t'aider à aimer Jésus, lui seul, notre Dieu, notre Seigneur, qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il agit chaque jour, il y a les miracles qui s'opèrent chaque jour. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Il est là, notre Dieu. Alors, bien-aimé, c'est une interpellation pour toi. Pour terminer, je te dis, Dieu te bénit. Dieu est avec toi. S'il a exaucé la prière de Jabez, s'il a exaucé la prière de Ruth, s'il a exaucé la prière d'Ézéchias, s'il a exaucé la prière de beaucoup de gens dans la Bible, ta prière aussi sera exaucée. Crois seulement. Et moi, je suis en train de prier pour toi. Je sais que toi qui es malade, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es guéri. Peu importe la maladie, incurable ou pas, la maladie doit disparaître dans ta vie. Parce que la parole de Dieu me dit ceci, à la croix, tout est accompli. Jésus-Christ est monté à la croix pour nos maladies. Il est Rapha, le médecin de tout cas. De tout cas, alors, peu importe les cas que tu y as, le médecin de tout cas, la femme qui a besoin des enfants, rentre dans la promesse de la Bible. Tu n'as pas été créé pour rester stérile. Si les femmes qui ont perdu tout en elles, les ovaires, les ovules, tout ça, aujourd'hui ont des enfants, à cause de ce Dieu-là, il a opéré les miracles, ce Dieu-là de Bartimée ne peut pas agir dans ta vie. Ce Dieu de Dorcas qui a amené Dorcas à la résurrection ne peut pas agir dans ta vie. Le Dieu de la femme tsunamite qui a ramené son enfant à la vie, ce Dieu-là ne peut pas agir dans ta vie. Gloire soit rendue à notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Il est Seigneur, il est Maître, il est Roi. Moi, je proclame la foi pour toi. Et toi aussi, monte dans la foi. Dieu attend de toi la foi. La foi, tu appelles à l'existence les choses qui n'existaient pas. Aujourd'hui, je n'ai rien. J'aurai. Je serai béni.
Je suis béni. Je suis béni. La force du destin. Je sais que ma destinée est meilleure. Je sais qu'il y a l'écrit dans mon dans ma destinée. Il y a l'écrit. Là, on m'a enterré. Je sors maintenant. Je sors avec mes effets. Je sors avec ma bénédiction. Je sors avec ma mariage. Tu es béni, ma soeur. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, même toi qui es couché dans le lit de l'hôpital. Jésus-Christ est venu pour toi, pour te faire du bien, pour te faire sortir de ce lit de l'hôpital, pour te faire sortir de ces condamnations. Même la maladie est héréditaire. Tu as l'hypertension, tu as l'insuffisance rénale, tu as la diabète. Je te dis, tout ça est guérissable par notre Maître Jésus-Christ. Une simple parole de Jésus-Christ suffit dans ta vie pour que tu sortes de cette situation. Il est avec toi. Il bénit tes enfants, il bénit ta maison. Ne te décourage pas, ne te fâche pas. Ne commets pas de bêtises, ne mets pas fin à ta vie. Crois seulement. Moi, je crois aujourd'hui à cette prédication. Comme nous avons cité le nom de Jésus, l'opérant des miracles. Moi, je l'appelle toujours l'homme des miracles. Toi aussi, appelle-le l'homme des miracles. L'homme des miracles. L'homme des miracles. L'homme des miracles. Même l'homme de 38 ans au bord de la piscine a été guéri. Jésus est passé pendant que l'homme attendait le mouvement de l'homme, et Jésus-Christ, par sa miséricorde, Dieu de compassion, de miséricorde, est passé à côté de l'homme. Il a touché l'homme. L'homme est guéri. Il ne connaît même pas celui qui l'a guéri. Il y a un homme qui est passé à côté de lui. Il m'a dit, lève-toi. L'homme de Gadara, que personne ne pouvait dompter, bien-aimé, qu'est-ce que Jésus ne peut pas guérir? Il est fou. Personne ne pouvait le dompter. Il dormait dans les cimetières. Si on mettait des faits, il rompait tout. Mais un jour, Dieu l'a mis sur le chemin de l'homme des miracles. Il l'a mis sur le chemin du roi des rois. Il a rencontré l'homme des miracles. Et ce jour-là, le statut de sa vie a changé. Ton statut changera. Maintenant, je suis en train de déclarer que ton statut changera. Ceux qui en veulent dans ta vie tomberont. Ceux qui créent une force pour toi, ils tomberont eux-mêmes. Toi, tu ne tomberas jamais dans la force. Le Dieu de Daniel sera avec toi. Ceux qui mettent des feux pour te faire brûler, la flamme ne t'embrassera jamais. Le Dieu de Meshach, Abednego, Sadrach, la quatrième personne là dans la fournaise ardente, c'est Jésus-Christ qui est avec toi. Même s'il y a l'eau, tu ne seras jamais submergé. L'éternel Dieu est avec toi. Tu ne mourras jamais. David a dit, je ne mourrai jamais. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. Soyez bénis, soyez prospères. L'amour du Seigneur, l'amour de Dieu, l'obéissance à sa parole est la source de vie, est la source de bonheur, est la source de la prospérité. Crois seulement en Jésus. Aime Jésus de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, de toutes tes pensées. Aime ton prochain comme toi-même. Pardonne à ton prochain. Tu es guéri, tu es béni, tu es restauré, tu vivras la gloire, tu iras de gloire en gloire. Dis seulement amen. De victoire en victoire, de santé en santé, d'élévation en élévation, de succès en succès, de bonté en bonté. Tes ennemis tomberont devant ta face. Tu marcheras avec victoire, avec le nom de Jésus, en face de tout le monde. Tu auras la percée, même s'il y avait des murailles devant toi. Muraille de Jéricho tombera et tu passeras. Tu rentreras en possession de ta domaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime beaucoup. Laisse que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des bénédictions, qui a le souffle de nos vies entre ses mains, qui a tous les commandements de notre vie, que ce Dieu-là te guérisse de ta maladie, que ce Dieu-là t'accorde un très bon mariage, que ce Dieu-là donne des enfants à cette femme stérile qui est en train de me suivre, à cet homme stérile qui est en train de me suivre, que ce Dieu-là donne du travail à l'homme qui est chômeur, que ce Dieu-là t'élève, te donne des titres de séjour, que ce Dieu-là donne des enfants au ventre qui sont déjà enterrés par la coutume, par la sorcellerie. Que Dieu te donne des enfants, le Dieu puissant, la main cachée, le Dieu de gloire, Jésus-Christ, il est terrible au combat. Qu'il combat pour toi des combats visibles et invisibles. Que tu as la percée au travers de ce Jésus. Que les bontés de l'éternel, que la miséricorde de Dieu t'accompagne. Oui. Comme David l'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme à cause de son nom.
Il place devant toi qui me regarde une table en face de tes ennemis. Ta coupe déborde. Il y a l'onction fraîche sur toi. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu n'es plus opprimé, tu n'es plus esclave, mais tu es libre. Tu es libre, totalement libre. Et si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Jésus-Christ t'a franchi maintenant au nom de Jésus. C'est pour la liberté, selon Galates 5:1, que Christ t'a franchi. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Appelez-nous dans les numéros que vous trouvez sur vos petits écrans. Nous sommes là bien disposés à vous écouter, à prier ensemble avec vous et à vous aider. Que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui est Alpha et l'Oméga, vous bénisse et qui vous accompagne. À bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, la grande communauté La Manne Cachée. Je vous invite à trois grands événements qu'elle organise sous le thème Éternel étant mes limites. Du dimanche 9 au 15 novembre 2014, École de la puissance de l'Évangile et Père Ancy. Du dimanche 16 au 22 novembre 2014, Convention de délivrance et de bénédiction. Codef en cible. Heure de 14h à 19h. Dimanche 23 novembre 2014, célébration du 20e anniversaire de l'existence de l'église La Manne Cachée, ministère de la Repentance. Lieu, Avenue Bypass numéro 12, quartier échangeur, commune de Lim. Référence, derrière l'alliance franco-congolaise. Des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio, c'est aussi la réalisation de vos émissions, photographie, filmage et montage de vos fêtes, la réalisation de vos émissions, la réalisation de vos spots publicitaires, la réalisation de vos clips. Casarima, c'est aussi la création de vos affiches et l'impression de vos affiches. Casarima, c'est aussi la location de vos salles de fête. Casarima Studio se trouve aussi en France, Kinshasa, en Angola, au Congo-Brazzaville, en Inde. Casarima est partout. Ne manquez pas, contactez-nous 06 29 91 70 16 ou 01 48 12 86 82 3 rue Joseph et Étienne de Montgolfier 93 110 Rony Sous-Bois. Casarima Studio est là pour tous vos événements.